Notre Dieu, éveille-nous à l'attente. Rappelle-nous que notre petit monde n'est pas tout, que notre témoignage a toujours besoin de ta parole, que tu dises aussi cette parole en dehors de nous et de nos églises. Surprends-nous, renouvelle-nous, remets-nous en question et rattache-nous plus fortement à Jésus. C'est en son nom que nous te le demandons au moment où nous écoutons les lectures bibliques. Amen. Je vous lirai ce matin deux des trois textes du jour. Tout d'abord, dans le Premier Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, les versets 1 à 11. Réconfortez mon peuple, c'est urgent, dit votre Dieu. Retrouvez la confiance de Jérusalem. Criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine, car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier dans le désert. Ouvrez le chemin au Seigneur dans cet espace aride. Frayez une route pour notre Dieu. Qu'on relève le niveau des vallées, qu'on abaisse montagnes et collines, qu'on change les reliefs en plaine et les hauteurs en vallée. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée et tout le monde la verra, tel est l'ordre du Seigneur. J'entends une voix qui dit Fais une proclamation. Mais je réponds, laquelle? La voix reprend celle-ci. Le sort des humains est précaire comme celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur est passé par là. C'est bien vrai, les humains ont la fragilité de l'herbe. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu se réalisera pour toujours. N'aie pas peur de la faire entendre. Dis aux villes de Judas Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu il arrive plein de force, il a les moyens de régner, il ramène ce qu'il a gagné, il rapporte le fruit de sa peine, il est comme un berger qui mène son troupeau et rassemble d'un geste du bras. Il porte les agneaux contre lui et ménage les brebis qui allait des petits. Et puis nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 1, les versets 1 à 8. Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit, Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu pour t'ouvrir le chemin. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert, Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Ainsi, Jean le Baptiste parut dans le désert et il lançait cet appel, Changez de comportement, faites-vous baptiser, et Dieu pardonnera vos péchés. Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem allaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans la rivière Le Jourdain. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 87.

Béni est l'homme qui compte sur le Seigneur. Il est son assurance. Il est comme un, comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il ne sent pas venir la chaleur. Son feuillage reste toujours vert. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il ne cesse de porter du fruit. Toi, mon frère, toi, ma sœur, comme un arbre planté au bord de l'eau, enracine-toi dans l'Évangile, lève tes branches vers le soleil, laisse monter en toi la sève de la vie, et quand la saison arrive, produis du fruit. Alors que la France vient de célébrer hier, discrètement, il est vrai, compte tenu d'autres événements médiatiques, la journée nationale de la laïcité, en référence à la loi votée le 9 décembre 1905, donnant le coup d'envoi à la séparation de l'Église et de l'État, j'ai envie de dire que si, dans son principe, cette loi a été une bonne chose, elle a néanmoins provoqué des dégâts collatéraux dont nous souffrons encore aujourd'hui avec toujours plus d'acuité. C'est en effet au nom de cette loi que nos églises, protestantes en particulier, ont été amenées à scinder formellement les activités relevant du culte et celles relevant de la diaconie. Or non seulement nous avons acquiescé à cette injonction, mais qui plus est, nous l'avons, je le crains, parfois intégré dans notre vie spirituelle comme dans notre théologie. Ainsi, dans nos Églises, nous sommes tentés et souvent nous succombons à cette tentation d'admettre qu'il est normal que, pour les uns, la foi soit d'abord affaire de conviction intime de progrès dans la connaissance des textes bibliques, d'assiduité à la prière personnelle ou en Église, et que pour les autres, cette même foi s'exprime avant tout dans des actions au service des plus défavorisés, dans des luttes sociales ou des combats politiques au nom de l'Évangile, de justice, de paix et de solidarité. Et pourtant, tout au long de l'histoire de nos églises et ceci en parfaite continuité avec la vie, le message et les actes de Jésus Christ, ces deux dimensions n'ont jamais été séparées. C'est d'ailleurs ce que l'on perçoit dans ce texte du prophète Ésaïe que nous venons de lire où se mêle intimement l'allégresse de la prière de louange et l'appel à modifier le cours de l'histoire pour faire une place, un chemin à ce royaume qui vient. Et c'est en outre tout le sens que nous rappelle cette période de l'avant dans laquelle nous venons de rentrer, où la proclamation par le peuple de la bonne nouvelle, ou la, pro, la proclamation de la pardon, excusez la proclamation par le peuple de la bonne nouvelle se mêle à une montée en ferveur de l'attente qui s'active pour que s'ouvrent des brèches dans un monde qui aspire à la paix et à la justice. Ainsi, partout où les églises se sont implantées, lorsqu'elles ont su se libérer des manipulations des puissants, partout il y a eu de manière concomitante le désir de célébrer un culte par une prière commune, par une annonce explicite de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité, acteur toujours vivant de la présence du royaume, et le désir de signifier en acte la réalité effective et présente de ce royaume de paix, de liberté, de justice offert à tous. C'est pourquoi, il nous faut non seulement refuser cette séparation, mais au contraire affirmer, réaffirmer fortement que vie spirituelle, célébration liturgique commune et engagement social, politique, c'est-à-dire au service de la cité et de celles et ceux qui l'habitent, sont les deux facettes inséparables du témoignage que chacun de nous et que nous tous ici rassemblés en Église, nous devons à Jésus-Christ, parole de vie faite chère pour le salut de tous. Alors ce matin, tout d'abord, je voudrais évoquer avec vous un aspect particulier de la vie spirituelle du croyant et voir comment elle est source, origine et force pour un renouvellement permanent de notre présence en tant qu'Église au cœur des réalités de notre monde. Je veux parler ici de notre culte, où la lecture biblique, la prédication, prennent leur place dans ce qu'on appelle la liturgie, c'est-à-dire littéralement l'œuvre commune du peuple de Dieu, avec ses chants, ses prières, ses silences, cette célébration communautaire de l'œuvre du Christ inaugurée il y a de nombreuses générations que nous réitérons dimanche après dimanche qui doit se prolonger publiquement et qui au passage nous rappelle que nous sommes appelés à l'unité bienveillante et fraternelle eh bien cette célébration cette liturgie qui scande notre vie commune tout au long de l'année de l'avant maintenant à la pentecôte demain cette liturgie est ce qui sans cesse refond de notre présence auprès de ceux qui attendent une bonne nouvelle dans leur vie. Cette liturgie, souvent construite avec les mots, les chants de ceux qui nous ont précédés dans la foi, est la force qui nous est transmise pour soigner, guérir, nourrir, vêtir, loger, accueillir, interpeller les pouvoirs politiques, bousculer les assoupissements religieux. La liturgie, culte rendu à la venue du royaume, loin d'être un vieux rituel sclérosé, est ce temps où chacun de nous, et tous ensemble, nous pouvons entendre l'appel ⁇ Et toi, qu'as-tu fait de ta foi En as-tu fait un trésor ?⁇ à conserver jalousement En as-tu fait une appartenance qui te, qui te sépare En as-tu fait une identité qui te paralyse Ou bien en as-tu fait une soif de partage, un désir de briser les murs, un feu qui brûle en toi pour reconnaître en tous des frères, des sœurs, en attente de paix, de lumière, d'espérance ainsi, diaconie et liturgie, lutte et contemplation, service risqué et exigeant de l'autre, de tous les autres, et célébration du culte sont-ils unis de manière irrévocable Et pour illustrer cela, je voudrais citer deux grands théologiens du XXe siècle. Deux grands théologiens qui, au cœur des années les plus sombres de l'enfer nazi, ont exprimé cela. Le premier, Karl Barth, inquiet de la montée du nazisme, entendant le bruit des bottes se répandre en Europe, père spirituel et acteur de la résistance au totalitarisme, a dit un jour que le cœur de cette résistance était là, dans sa rue, un peu plus loin, dans ce couvent de carmélites, qui, imperturbablement, dans leurs prières chantées, rappelaient quotidiennement que la victoire du Seigneur était acquise et balayerait toutes les puissances du mal. Le second, Dietrich Bonhoeffer, mort en martyr, à cause de son engagement auprès de ceux qui voulaient abattre Hitler, nourri de toutes les traditions chrétiennes de l'Europe, dit un jour, dans les mêmes circonstances, que seuls avaient le droit de chanter le grégorien ceux qui s'engageaient résolument contre l'antisémitisme. Deux théologiens, une situation dramatique et à eux deux une affirmation centrale, la liturgie et la diaconie, la contemplation et la lutte pour la justice, non seulement ne se distinguent pas, mais se supposent réciproquement et surtout se fécondent mutuellement. Et de plus, dans cette chair de l'oratoire du Louvre, sans parler des pasteurs qui animèrent la résistance au nazisme. Comment passer sous silence la prédication de Wilfred Monod, qui avant cette funeste période rappelait toujours avec vigueur à quel point la célébration de la liturgie et de la scène en particulier était une injonction, un ordre de mission pour aller au devant de toutes les injustices et sans cesse les combattre pour que la création soit toujours plus conformée à ce royaume attendu déjà inauguré, en attente de témoins fervents et responsables, pour en discerner et mettre en œuvre les chemins. C'est ainsi qu'il créa les veilleurs, veilleurs que nous sommes tous appelés à être. Là où la prière commune et le culte sont négligés, le témoignage prophétique, le zèle pour la justice s'émousse et sombre dans une charité molle et confortable. Et là où la ferveur pour le service de l'autre, la quête d'un monde plus accueillant pour les plus petits, plus attentif et ouvert à toutes les souffrances s'évanouissent, le culte devient alors un rituel hypocrite, une désobéissance à celui qui nous envoie et compte sur nous pour être ses témoins. Maintenant, avant de revenir à ce service qu'en tant que chrétiens nous devons un, au monde, un service exigeant, risqué, parfois incompris, contesté et même, et même menacé, il nous faut le, lever un malentendu sur le culte, sur cette liturgie sur laquelle nous fondons notre existence. Le temps de la liturgie n'est pas un temps sacré un temps en dehors du temps. Cela fait bien longtemps que le voile du Temple s'est déchiré, qui séparait le sacré et le profane. Le temps de la liturgie n'est pas un temps religieux. Il est simplement le temps de l'obéissance au commandement du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi, à propos de la scène. Enseignez, baptisez, et vos œuvres seront plus grandes que les miennes. Le temps de la liturgie est ce temps où la réalité de la présence du royaume nous est rappelée pour que la vérité fasse son chemin et que la liberté s'accomplisse et que la justice trace sa route. Le temps de la liturgie est ce temps où chacun de nous met de l'ordre dans sa vie, où l'Église se met en ordre de marche, pour que le témoignage rendu à celui qui a tout accompli ne s'éteigne pas. C'est ce temps où la force de la parole du Seigneur nous est rappelée telle qu'elle résonne dans le texte du prophète Ésaïe. Un écho qui de génération en génération nous est parvenu, de telle sorte que l'évangéliste Marc puisse nous dire à nouveau, aujourd'hui encore commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un aujourd'hui qui nous rejoint, en sorte que nos propres ressources, que nos pauvres ressources propres de femmes et d'hommes affrontés au désespoir de notre temps s'enracinent dans l'ultime réalité du Christ vivant, victime victorieuse de toutes les idoles et de toutes les forces contraires à la vie, et portent ainsi les germes de toute résistance de toute insurrection, de toute résurrection. La liturgie, alors, loin d'être un repli frileux, devient ce temps où la présence de l'Église au monde se vivifie, se libère, s'arme d'audace nouvelle pour vaincre avec la force qu'elle a reçue les malheurs du temps. L'Église devient tout alors tout entière diaconie servante comme son maître de ce monde qui attend une bonne nouvelle, solide comme le roc de sa parole, réel comme sa vie plus forte que la mort. Alors, ce service, ce service est tout d'abord un service humble, réaliste et loyal, mais aussi exigeant à l'égard de tous ceux qui ont reçu mandat de diriger ce monde. En effet, au nom de Jésus-Christ, Seigneur de toutes choses et de toutes autorités, il appartient à l'Église, lorsque l'inconséquence devient notoire, lorsque le politique devient tout entier spectacle et séduction, lorsque le dérisoire se répand, lorsque l'injustice devient indécente et intolérable, il appartient à l'Église de rappeler à chacun le sérieux de sa responsabilité, de telle sorte que toute autorité se tienne à distance de ce qui dégrade son mandat, que ce soit l'opportunisme, l'ambition égoïste, la corruption, l'arrogance et le mépris. Et ce service est aussi de l'ordre de la vérité, c'est-à-dire du dévoilement de ce qui est caché de l'alerte lorsque le brouillage et l'écran de fumée se répandent et le mensonge devient l'habitude. Dans un monde qui perd ses repères, la vérité ne peut relever ni des modes, ni des sondages, ni des opinions susurées par les médias. Dans un monde fragilisé par des peurs préfabriquées, et je pense ici en particulier à cette peur de l'étranger alimentée par de fausses alarmes. La vérité n'est pas dans les consensus sécuritaires et identitaires, mais bien dans une parole que l'Église se doit de porter sans faiblir, une parole qui propose une insurrection pacifique, une désobéissance civile, comme disait Paul Ricoeur, une parole qui met à mort toutes ces peurs mensongères ces idolâtries éphémères pour qu'enfin une vie fraternelle juste et confiante soit le terreau d'un avenir heureux partout et pour tous et puis l'église fidèle à celui qui l'envoie est au service de la liberté une liberté qui veut affranchir de toutes les chaînes qui libère de tous les esclavages au propre et au figuré de toutes les oppressions morales et matérielles qui, par-delà les désastres sociaux, économiques, politiques, inaugurent des chemins nouveaux. L'église servante de la liberté est aussi ce lieu où s'invente sans cesse, dans une imagination créatrice salutaire, les signes d'un avenir autre que celui qui veut s'imposer à nous, comme si on ne pouvait pas faire autrement. L'Église ne rêve pas d'un avenir différent. Elle se doit d'imposer les fondements, sans ostentation, dans l'humilité, mais avec détermination. Elle se doit sans cesse, comme nous l'avons entendu chez Esaïe et Marc, elle se doit sans cesse d'aplanir les chemins d'abaisser les obstacles, de redresser les sentiers, de faire refleurir les déserts. C'est ainsi que chacun pourra voir le royaume qui se fait proche, à portée de voix, à portée de main. Ainsi, l'Église qui célèbre dans sa liturgie la venue de ce royaume dit et vit ce qu'elle célèbre, et ce qu'elle vit et dit, elle peut alors le célébrer dans sa liturgie. L'appel du Christ qui résonne ici et maintenant, pas moins fort qu'il y a 2000 ans, pas plus lointain que celui qu'ont entendu les mages, les bergers, les disciples ou l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. L'appel du Christ qui résonne en ce temps de l'Avent, temps de l'attente fervente et active, est comme un battement de cœur. Qui appelle au rassemblement pour le rencontrer et le suivre, lui, le Sauveur, et qui ensuite nous envoie, nous disperse, nous dissémine pour être dans le monde des témoins qui appellent à leur tour à la vie, à la vérité, à la liberté. Prends garde à ton pied, nous dit l'Ecclésiaste, quand tu entres dans la maison de l'Éternel. Le temps du culte n'est pas un temps de confort facile dont on ressort indemne. Il est ce temps risqué où tu vas te livrer à l'obéissance qui transfigure ton chemin, à l'écoute qui va te faire vivre en vérité, au partage qui va t'ouvrir à la véritable liberté. Mais par-dessus tout, n'aie pas peur, car c'est le temps. Ou celui qui t'aime de toute éternité, quelles que soient tes fragilités, te prend par la main et te conduit vers de verts pâturages. Amen.